Hey, salutations à tous, c'est Jedi du Nord à la Minute, et bienvenue dans ma série Explorateur pour cet épisode. La cinquième partie, oui, je vous présente la cinquième partie de mon enquête au manoir d'Erceto dans Alone in the Dark version 2024. Et à la clé, une petite surprise. J'en avais parlé au départ. C'est un contenu téléchargeable qu'il faut payer ou, si on l'a précommandé, je pense que ça venait avec. Donc, je vais vous montrer ça plus tard dans le jeu, mais il y a une petite surprise aujourd'hui que je me suis dit qu'il fallait que je le monte avant de terminer le jeu. Là, comme je suis rendu au chapitre 3 et il y a 5 chapitres dans le jeu, j'aimerais bien le finir ce soir, passer à d'autres choses, mais je ne sais pas si je vais être capable. Sinon, ça ira demain, c'est pas plus grave que ça. Demain, de toute façon, j'ai l'intention de faire pas un, mais deux jeux, donc voilà. OK. On va commencer ça tout de suite. Donc, la suite d'ailleurs, j'étais pris dans un temple en Égypte. Je sais pas trop ce que je faisais là, mais j'étais là. Fait que là, j'avais certaines lentilles à placer au bon endroit pour réussir à ouvrir quelque chose dans le centre. Puis là, ben, il restait juste la dernière lentille à faire, donc je l'ai trouvée. Fait que je suis rendu là. Fait que là, ça a ouvert quelque chose dans le sol ici qu'on peut voir dans le milieu. Donc, je vais aller voir c'est quoi. Ah, ben oui. Ça aurait trop facilité les choses. Évidemment. Bon. Ah! Oh non, pas des ennemis! Oh non! Bye bye! Mais j'ai pas le temps! Faut que je me sauve! Bon, ok. Ah non, hey, t'es sérieux là? J'ai pas le temps! Il se prime tellement vite en plus, il faut. Le point de s'effondrer! Ben oui, mais je le sais, mais tu cours pas assez vite. Ah, c'est bon. Non, mais tu fais quoi là? Laisse-moi être tranquille. Là, à un moment donné, je brinque sans faire. Affronter des ennemis, faut que je réussisse à me sauver. Je peux pas tout faire, moi. Je suis un détective. Je sais même pas si je passe par le bon chemin présentement. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ça s'est calmé, on dirait. Ça sent le boss. Ouh, je me trompe peut-être aussi, mais bon. Ou pas, finalement. Je rappelle, je suis encore dans un souvenir de Jérémy. Les traumatismes psychologiques, franchir les barrières de l'auto-illusion, modérer les manies. Ce sont les conditions de l'âme ténébreuse. Le contrat. J'ai trouvé le contrat. Pas le jeu, là. Le papier sur lequel on signe quelque chose. Ben voyons! Non mais c'est l'éclipse! Ferme tes yeux, tu vas devenir aveugle! Ah bon ben chapitre 3 terminé! Il en reste deux! Il en reste deux! Je suis comme mal en point un petit peu. Eh oh, détective! Ah. Qu'est-ce que vous faites? Enfin! J'ai trouvé quelque chose. Bravo! C'était de l'alcool? Mais non, j'ai simplement le souffle coupé. Je sais comment rompre le contrat avec l'homme ténébreux. Qu'est-ce que quoi? Ça veut dire exactement? Ah, c'est ça. Tout reviendra à la normale. D'accord. J'ai trouvé d'autres informations sur Derceto et les patients.
Il se passe des choses vraiment étranges ici. T'es pas sérieuse? Je suis presque sûre que deux patientes et le réceptionniste sont morts. Eh ben... Ouais, à vrai dire, j'ai arrêté de m'en préoccuper. Eh ben, exactement. Essayez de rester concentré, peut-être? Vous faisiez quoi, déjà? Bouge-toi en Égypte! Jérémy a fait un pacte avec l'homme ténébreux pour garder la... On va faire un petit voyage, toutes dépenses payées. D'accord. Je vais le briser. Il faut juste que... Où il est? Où est le talisman? Autour de votre cou. Oh! Vous m'inquiétez, vous savez. Mais non, ça va. Vous ne m'êtes pas d'une grande aide dans cette affaire. Au moins, vous êtes distrayant. Croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Parce que, vu mes planches, je suis une vraie aubaine pour vous. Mais je trouve qu'elle, la deuxième détective, on la voit pas, vraiment pas assez dans le jeu. Ok, bon, l'homme ténébreux, indice. Examine le contrôle de l'homme ténébreux, d'accord. Y'a rien. C'est écrit un hiéroglyphe. Je comprends pas l'égyptien. Avant de continuer, il doit d'abord reconnaître l'existence d'un traumatisme psychologique. Le mensonge doit cesser pour que nous puissions franchir les barrières de l'auto-illusion. Enfin, modérer les comportements maniaques. C'est tout? Tout ce que t'avais à dire? La médecine m'a trahi. Rien ne peut être fait pour dissiper la malédiction des Hartwood. Seule la dague sacrificielle peut libérer l'œil de Jacob du désespoir. Toutefois, cela sonnerait le glas de Derceto. Que ma malédiction devienne une arme. Pas sûr que c'est une mauvaise chose tant que ça, moi. J'accepte cette exigence. Construis ta prison autour de cet hôpital maudit. Lorsque le mal aura été affamé, je resterai enterré pour toujours. Ok. Bon, ben c'est tout. Entrez par affection dans le bureau du Dr. Gray et découvrez ce qu'il sait. Là... Si je me souviens bien, là c'est au grenier que je vais aller, la dernière pièce. Mais je vais vous montrer quelque chose juste avant, par contre. Je sais pas si ça va fonctionner. La petite surprise que je vous parlais, dans le fond, c'est ça. Voilà! Les personnages de 1992, il y a 32 ans. C'est ça qui avait l'air, détective Carnby en 92. C'est quand même bon ce qu'ils ont fait là, pour eux. Ben ouais, mais... Ok, je fais comment passer, moi? Ok, faut que je redescende là, j'imagine. J'ai pas la clé. Ça, c'est quoi? Dague sacrificielle. Sacrificielle! En tout cas, ça, là. Dague en série, en deux serpents, en série. Ok, ça me sert à pas grand-chose. Là, je sais pas. Je pense que je suis retourné dans le manoir, mais je suis pas sûr. Un peu? Ouais. Ben oui, c'est sûr. C'est barré de l'autre côté. Oh, la seule option, c'est de continuer de descendre. Oh, celle-là est ouverte. Ah, oh, parfait. Il doit être quelque part par ici. Il ne quitterait pas cette maison. Je ne sais plus vraiment quoi penser. T'as rencontré le détective? Qui est-il? Il est fiable? Je pense que c'est un gentil. Tu sais, comme nous. Sera-t-il d'accord pour qu'elle vienne? Louée soit la mère... Ben pas voyons. Besoin de savoir tout ça. Il est juste là pour gérer... La chèvre noire... Calme-toi. Il n'est pas encore temps. Mon Dieu, ça fait mal. Pour autant que je sache, le détective a l'air de résoudre les problèmes, pas de les causer. Il y a un petit peu de Québec dans le jeu, hein, avec le fleur de l'Élysée. C'est quand même la fin. Ok.
Ok, c'est quoi l'objectif? Entrer par réfraction dans le bureau d'Octogone. Car Marie se dit que c'était une bonne nouvelle. Émilie lui avait rappelé qu'il y avait eu des décès étranges à Derceto. Carnby n'aurait jamais cru qu'il serait aussi heureux d'être de retour à Derceto. Il avait l'impression d'avoir traversé un long et sombre tunnel, empli de malheurs et de regrets. Maintenant qu'il était revenu, Carnby pouvait se pencher sur les étapes mentionnées dans le contrat. Toutefois, une pensée le rongeait. Quel était le lien avec le docteur Gray? Bon, est-ce qu'il y a des énigmes à faire dans le coin? Il m'en reste une dans le bureau de l'employé. Un autre dans la chaufferie. C'est tout. Rompre le contrôle de l'homme. Ouais, ça c'est l'objectif principal. Pour y arriver, il faut que je rentre par réfraction dans le bureau du docteur Gray. Il est où le... Attends un petit peu, je vais aller voir. Il me reste plus grand-chose, hein? Toutes les affaires, ils ont toutes disparu. J'avais un paquet de choses dans l'inventaire, puis... Il me reste plus rien. J'ai même plus l'espèce de document qui me permettait de savoir qui était où. Fait que ça m'aide pas bien. Ouais. Pas plus avancé. Ouais, il y a une malle ici. Avec rien. Oh, ben coudon. Non, j'ai l'impression que je suis encore dans un souvenir parce que le manoir, il est comme dans Silent Hill, deuxième dimension. Un peu bizarre. Ça fait que je suis pas trop sûr. Ok, ici, il n'y a rien, faut que je sorte par là. Bon sang, qu'est-ce que c'était que ça? Ça fait moins peur un peu, hein, avec un personnage comme ça, il me semble. Sauf que là... Bureau du docteur, il est là. Fac. OK, faut que je passe par la salle à manger. Puis la terrasse couverte lors de la réception, bla 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 bla. Okay. Ah, ben peut-être qu'avec la dague, je vais pouvoir l'ouvrir. Ok, par où faire que je passe, donc? Il semble que c'était par là pour aller dehors. Bloqué de ce côté. Oh! T'es sérieux, là? Ici, c'est quoi? Peu pas double à Saint-Jean. Nous devons garder l'espoir que le pacte qu'a conclu Jérémy avec l'homme ténébreux... Y'a pas juste au Québec qu'on fête la Saint-Jean-Baptiste, ça, là? Si nous avons de la chance, nos visiteurs le trouvent. À Louisiane aussi. Ils montreront que tout cela est absurde avant la tombée de la nuit. Ce qui est vrai, en revanche, c'est notre tentative de l'invoquer. Il s'est passé trop de choses pour que cette soirée soit vaine. Je pense à Jack et Cassandra, et même à Pérosie. Je ne comprends pas les circonstances de sa disparition. Grace est notre cabrice en corne. Elle le sait et elle jouera ce rôle. Vous devez parler à votre frère, Baptiste. Je crains qu'il ne nous suive. Baptiste! Madame Thompson. Bon, je sais pas trop quoi ça me servait cet indice-là, mais bon, il était pas là, puis là, il est là. Fait que... Bizarre. Ok, moi, faut que je traverse la salle à... Moi, je sais pas c'est quoi qui parle là. La salle de bain, je vais aller voir. Non, il n'y a rien d'autre là. Ok, parfait. Le chemin est bloqué de ce côté. Oh, hein, c'est-tu fatigant. Ils vont me dire qu'un chemin est bloqué de ce côté-là aussi?
Ça va super bien. Fait que là, il me reste quoi, là, comme chemin? La bibliothèque seulement, ok. Ah, il y a quelque chose ici. La démence et la colonie d'artistes d'Astarte. Je viens de le dire. Une monographie de Yael Klein. Au début de l'année 1909, l'ancienne plantation d'Erceto, située non loin de la Nouvelle-Orléans, fut transformée en colonie d'artistes. Trois célèbres artistes européens louèrent la demeure et les terres environnantes aux propriétaires, la famille Ledoux. La colonie était principalement dirigée par Sébastien Cortès, que ses collaborateurs, William Sparges et Heinrich Kassel, surnommaient par jeu le capitaine. La colonie exista pendant 6 ans, jusqu'au jour où ses 12 membres disparurent sans laisser de traces. On pense généralement que leur disparition est liée à l'ouragan dévastateur qui frappa la région le 29 septembre 1915, mais rien ne permet d'étayer cette affirmation. Ce que l'on connaît d'eux, en revanche, c'est leur fréquente participation à la vie nocturne de la Nouvelle-Orléans, leur goût pour l'organisation de fêtes et leur contribution élaborée aux parades du Mardi Gras sous le nom des Pirates de Pontchartrain. On trouve des récits relatant leur mode de vie, que l'on peut résumer comme insouciant et bohème, dans presque toutes les rubriques consacrées aux potins. C'est à la fin du mois de juin 1909 que le nom d'Astarte apparut pour la première fois dans les journaux. Cortès a déclaré que ce nom lui était venu pendant qu'il peignait. Il n'a jamais affirmé avoir eu connaissance avant cette date de l'ancienne déesse phénicienne de la fertilité portant ce nom. En revanche, son collègue Heinrich Kassel le connaissait, car il produisit par la suite des sculptures qui faisaient clairement référence à d'anciennes idoles de la déesse. Il est impossible de savoir avec certitude pour quelle raison ce nom est soudainement apparu, mais sa présence est intéressante en raison de l'histoire de Derceto. Même le nom de Derceto est le nom grec d'une déesse syrienne de la fertilité. Ok, tu continues pas? Ça s'arrête là. En ce qui concerne le nom de la plantation, Derceto n'était certainement pas un accident. Nous savons qu'Elia Pickford avait l'intention de construire un temple voué à son culte. Car 2 ans avant d'acheter le terrain, il avait distribué des brochures dans lesquelles il annonçait ses intentions. Lorsque la plantation fut construite, on estime à près d'une centaine d'hommes et de femmes le nombre de ses disciples, pour la plupart des marins, des esclaves marrons et des cajuns. Pour les étrangers, Derceto était une plantation d'esclaves ordinaires, ce qui permit à Pickford et ses disciples de dissimuler leurs activités pendant des décennies. L'histoire officielle veut que le culte ait perduré jusqu'en 1862, date à laquelle l'armée de l'Union vint incendier la plantation et disperser tous ceux qui y vivaient. Après la guerre... T'as pas fini encore? Voyons. C'est bien bizarre, le texte, il me semble qu'il avait de l'air... Attends... En ce qui concerne le nom de la plantation... Ok, je relirai pas tout seul. Bon! Je suis rendu où là? Dans le jardin d'hiver. Faut que je réussisse à remonter. Ok, mais c'est comme une, il y a comme une voie de tracé. Faut vraiment que je passe par là, je pense. Madame Thompson. Je comprends que la semaine dernière a été chargée. Dans ces circonstances, je pense qu'il est important de vous rappeler que les préoccupations de Derceto ne sont pas une affaire publique et qu'elles ne doivent pas vous bouleverser. Veuillez poursuivre votre excellent travail et ne vous attardez pas sur le décès de Perosi ou, plus important encore, sur le suicide de Cassandra Beauregard. Non, c'est pas grave, il y a du monde de mort, mais c'est pas... pour vous ou pour le personnel.
Je compte sur votre loyauté et je suis persuadé que vos liens étroits avec la fratrie Tabouy permettront de préserver les secrets de Derceto. Docteur Gray. Bon, où est-ce que ça va tout m'amener cette histoire-là? Ok, puis là, je peux pas plus aller là. C'est quoi qui se passe? Pourquoi toutes les portes sont fermées? Toutes les entrées sont fermées? Il y a vraiment juste une place, faut que je passe. Le chemin, il est vraiment tout tracé pour aller là, finalement. Il pleut! Bon, le chat va être encore là, puis il va capoter. Ah, il est pas là! Il a peur de mon personnage pixelisé. Ah! Ça prend encore une clé. Ben là, ok, ben, il y a l'échelle au moins. Je peux l'utiliser, ça fonctionne. Bon, fait que c'est ça qui était bloqué. L'échelle vient de sacrer le camp en bas. Bon, ben, je peux plus descendre. Je vais voir jusqu'à que... Il y a plein de corneilles perchées en haut. Les effets météo sont bien, en tout cas, côté ambiance, là. Les éclairs, tout ça, ça c'est bien rendu, par contre. Bon! Monsieur Tinours. Et là, si je vais par là, ça m'amène où, ça? Ah, là, ça me dit c'est barré de l'autre côté. Après une clé. Ah! Ça en sauvera pas, finalement. Ok, c'est ici, là. Et bureau de l'employé, bureau des acteurs. Ah, il y a encore quelque chose ici. Le Hollandais voleur. Ah, 3 sur 3, et voilà, j'en ai fait un. Ben, j'en ai fait un autre, c'est-à-dire. J'en ai 4 sur 15. Ah! Oh. Faut que j'aille dans l'autre pièce à côté. Ding ding! J'arrive! Il doit y avoir un double des clés du cabinet du docteur Gray ici, quelque part. Ouais, probablement dans le coffre, mais j'ai pas la combinaison. Tu comprends? Faut que je trouve la combinaison du foutu coffre. Ça, je l'ai pas. Ah, ça, c'est le fameux tiroir maudit que je suis resté pris, pas une fois, mais deux fois, là. Fait que j'arrête plus, parce que je veux pas ouvrir le coffre-fort à l'intérieur du bureau. Ben oui, je le sais! J'ai pas la combinaison de ce coffre-fort. J'ai remis la canne à peut-être. Bon, fait que si j'ai mis la canne à peut-être, ça serait dans ses notes à lui. Est-ce que tu gardes nos secrets? Non. Bon, j'ai remis... J'ai pris les choses. Choses abîmées, vieille horloge à l'hôtel. Il y a toujours des mots en blanc foncé. Ça veut dire certaines choses. Que la vieille chose abîmée, tout ça me conduira où ça m'a-t-il fait. Ou que la vieille horloge de. Je pense pas que c'est dans cette page-là. Les ménageurs, ils ne comprennent pas, blablabla. Ok. Je sais pas, ça me tente d'essayer 3-5-8, mais... C'est le talisman, mais ça me semble que ça a déjà servi, fait que je suis pas sûr.
résidents de Derceto deviennent dangereux, qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Je dois faire quelque chose pour... Combinaison du foutu coffre. Chaque nuit, l'homme ténébreux se tient opaque au seuil de ma chambre. Il compte les jours avant que mon esprit ne délaisse ma forme charnelle lasse. Seul son masque blafard protège ce qu'il me reste de raison. Contempler directement le visage de ce sultan démoniaque briserait assurément le temps lui-même. Son apparence est-elle semblable à celle que contempla jadis mon père, tandis qu'il luttait pour sa survie? Son visage dissimulé hante-t-il également l'esprit de Manu? Ah là là! J'ai reposé mon âme dans ce couvent brûlé par le soleil à Taroeya. Vous retrouverai-je là, roi? Ou la signora Perosi, revenue de l'au-delà? Chaque nuit, je me cache pour lui échapper. Je passe d'un souvenir difforme à un autre. Des scènes invoquées à partir de fantasmes et de manifestations de psychose. Des lieux que j'ai même du mal à peindre. J'aimerais comprendre votre mort, signora. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, sinon vous inhumer dans cette sinistre nécropole? Cette chapelle triomphante, s'élevant au-dessus des pierres tombales et des cryptes voûtées, sera votre sépulture. Là où vous reposerez et où je vous pleurerai. Je pense pas que... Je sais pas. Je suis comme... Je suis pas sûr, en fait. Là, j'ai gardé nos secrets. Je sais pas s'il manque... C'est ça l'affaire, c'est que... Je retrouve des feuilles un peu partout. Préparatif de la Saint-Jean, démence, garder nos secrets, mais à quoi que ça sert, ce document-là? D'après moi, il doit me manquer des... Non, c'est... Je sais pas. Là là. Là, ce que j'espère pas, puis j'espère que non, ce que j'espère, c'est qu'il y a... qu'il y a pas des... des pages dans toutes les pièces. Des pages manuscrites comme qu'on, je n'arrive pas de chercher, que je trouve depuis tantôt un peu partout. Parce que le problème, c'est que j'ai plus le document pour savoir où sont les patients. Puis ça, je ne sais pas pourquoi ils me l'ont enlevé. Fac. Bon. Ça a l'air que j'ai peut-être pas le choix de tout fouiller les pièces. Parce que c'est ça, c'est un peu décevant, mais bon. Ça rajoute la durée de vie du jeu. C'est juste que là je peux pas aller là. J'ai un travail à faire. Eh non, je suis pas parti là, on se calme. Bon, ici, je peux y aller. Ouais, je vais refouiller les pièces, j'ai pas le choix, parce que d'après moi, je pense que c'est ça, mais... Peut-être que je me plante dessus et je fais ça absolument pour rien. En espérant que non. Mais je sais pas là, quoi faire pour vrai. Là. Hop, Cassandra est plus là. Elle a pas laissé de note. Ici, non, ça c'est barré de l'extérieur. Ah, là je peux le débarrer maintenant.
Ok, fait que ça va être plus rapide de passer par là. Parfait. Bon, de ce côté-là, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a rien. Rien. Bon. Après la clé. Fouiller les chambres 4, 5, 6. Je pense que c'est là que je suis rendu, non? Ouais, c'est ça. Ok. Ah, bon, je pense qu'il y a... Ok, c'est le ventilateur qui bouge, ça. Fais-moi confiance. Indice. Mon frère, tu dois me faire confiance. C'est le moment le plus important de l'histoire de notre vie. Ok. Fait que... Je ne te trahirai jamais. Je te le promets. L'outil. Ben, je pense que c'est ça. Faut que je refasse le tour du manoir, malheureusement, parce que... Faut que je trouve des indices. Ça me donne pas, je pense. Je pense que c'est le seul choix que j'ai à faire présentement. Là. Je peux pas. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre en fait. J'arrivais de là, non? Il me semble. Ah, il y a quelque chose qui était. Le tapis, on dirait qu'il y a quelque chose qui était traîné. On va le voir là. Ah, il y a une note encore là. Au détective Carnby. Bon, ça pourrait peut-être m'aider par contre. Détective Carnby, je suis terriblement désolé que ma nièce vous ait entraîné dans ce pétrin. S'il vous plaît, avec toute ma bénédiction, emmenez-la loin de ce endroit. J'ai détruit ce dévoreur de monde. Je l'ai enfermé dans le grenier et je me suis retiré dans une cachette. Dites à Emily que je suis en sécurité. Racontez-lui tous les mensonges que vous pouvez imaginer pour qu'elle vous écoute. Ramenez-la à la Nouvelle-Orléans. Jérémy. Le dévoreur de monde, c'est Bray Wyatt, puis malheureusement, il est décédé. Fait que ça m'étonnerait que ce soit lui. Ceux qui ne savent pas c'est qui Bray Wyatt, c'est un lutteur. Fait que il est mort beaucoup trop jeune. Ok, bon, ben, coudonc. À la recherche des documents, parce que je pense que le chapitre 4, c'est pas mal ce que j'ai à faire. Fait que là, est-ce que cette partie-là m'a fait compléter toutes les chambres? Ok, ouais. Fait que tout ça, c'est terminé, au moins. Fait que je pense que j'aurais pu y retourner, parce que si j'y retourne, il n'y aura plus rien. Fait que là, faut que je continue. Là, il faut que je passe par la galerie, la chambre 7, la chambre 8, la salle de séjour. Etc. 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 Ok, bon, ça c'est le passage. Je vais faire tous ces tâches-là. Au moins, je vais m'assurer qu'il n'y a rien que je vais laisser à... Ok, là, je suis rendu dans la galerie. Fait qu'il faut que j'aille en face de moi. Ici, je pense pas qu'il y a une note manuscrite. Non. Oh, cinématique! Il y a une petite personne qui est là qui m'attend. Ah ah! Tu pensais pas le voir quelqu'un pixelisé, hein? Vous avez résolu votre affaire. Ah, Grace est là. Je m'y emploie. Hey, Grace, tu vas bien? Oh, bien sûr, elle est en pleine forme, détective. T'es impatiente d'aller à la fête de la Saint-Jean, Grace? J'ai vraiment hâte. Les enfants. C'est pas génial. Qu'est-ce que vous avez prévu? T'es à peu près la seule personne censée dans le manoir. Pas grand-chose. On mange, on boit, on rend hommage à l'arbre à souhait du jardin d'hiver. La routine. Alors pourquoi toute cette impatience? Il y a quelque chose de particulier ce soir. De différent. Nous le sentons tous. En plus, nous avons trouvé de nouvelles paroles pour la prière, grâce à votre Jérémy. Elle viendra et retournera le monde à l'envers. Alors tout recommencera. Ça me paraît étrangement menaçant. Vous devriez venir. Oh,
Oh, bon sang, Grace. Tiens-toi tranquille, pour une fois. T'as un code DPJ, ça, cette affaire-là, voyons donc. Ça, c'est quand même pas pire, parce que le seul objet qui est pas pixelisé sur moi, dans le fond, c'est l'espèce de lame de poche. Mais je pense que c'était pas dans le jeu 92, fait que c'est pour ça qu'ils l'ont pas pixelisé. Mais là, je pense que j'ai... Tu sais, c'est correct, là. Fait que je vais le désactiver. Parce que... Ah! Et de retour! OK, fait que là, il y a toujours une énigme ici que j'ai pas résolue, hein? Il manque quelque chose. Faut que je trouve la France. Je sais tellement pas ce que je vais trouver la France. Puis pourtant, il y a même pas d'énigme, là. Tu sais même pas, il y a pas d'énigme, il y a rien. Y a absolument... Ah! Il y a une clé à terre! Clé du hall du premier étage. OK. Il faudrait mieux de les garder. Il faudrait pas que quelqu'un les perde. Là, comme que ça vient d'arriver là, c'est ça que tu es en train de me dire? OK. Chambre de Grace. Voyons voir s'il y a quelque chose. Ah, il y a un dessin par terre, je pense. Dessin de Grace, mais tu veux que je fasse quoi avec ça? Ok, bon, encore une chose. Diable à ressort. Je l'ai pas ramassé, ça. Ah, je l'avais déjà. Pourquoi je l'ai... C'est bizarre. Ok, puis c'est quoi l'objectif? Oui, coffre-fort intérieur. Trouver le dessin manquant de Grace. Ok, on repart pour une autre aventure. Fait que j'ai plein de choses à faire en même temps. Toi, tu serais pas Yéo? Ok, ça c'est macabre. Il y a deux têtes de poupée dans le... D'accord. Dans le carrosse. Si tu me poursuis, je te tire dessus. Fait que reste tranquille. Je t'ai averti. Hey! Tu restes là. OK. Bon. Salle de séjour, toilette. Chambre numéro 7. Ça, c'est la chambre de Grace. Ah, machine à écrire, une note. Scénario d'un film. Slaughter Gulch. Bon, fait que ça, c'était juste un objet collecté. La dernière page de Cassandra. Bon. Jérémy savait que la seule personne qui pouvait l'aider désormais était le patient de la chambre numéro 3. La chambre semblait être restée très longtemps vide, mais cela ne pouvait être vrai. L'histoire devait forcément être différente. Elle devait forcément inclure une présence venue d'ailleurs. Il ramènerait le patient dans la chambre 3 et lui montrerait ce qui se trouvait dans le coffre-fort 913. Mais ces chiffres n'étaient pas les bons. C'était la combinaison du coffre-fort du service administratif. Fait que c'est 913, la combinaison du coffre? OK, allons voir. Oui, ça serait ça, en fait. Puis j'ai la clé pour aller dans la chambre 3 maintenant. Fait qu'il faut que je redescende encore. OK, ben au moins ça avance, là. Non, mais ferme pas la porte quand je veux l'ouvrir. Oui, on est mal élevé, espèce de fantôme ou je ne sais trop. C'est quelque chose dans la toilette. D'un coup que... Non. OK, fait faut que je redescende. Au moins, c'est pas très loin. Je prends l'escalier ici, je descends, puis le petit ours, il va être là. Bonjour, rebonjour. Toi, ça va?
Tu sais, chez le dentiste, puis t'es pris de même, qu'est-ce qui se passe? Ferme la bouche. C'est pas poli, rester la bouche ouverte de même. Ben, avaler des mouches. Ah non, c'est vrai, ça passe pas par là. Ben, au moins, j'ai la clé du coffre. Mais pas la clé, la combinaison. Fait qu'on dit... 9... 1, 3. Ok, c'est pas ça. Je suis niaiseux, j'ai fait 8. 9. 1, 3. Ben voyons. Merde, j'ai passé tout droit. Un. Trois. Ouais, mais quel bord je tourne? Peut-être un indice dans le... c'était dans quoi, donc? Non, c'était pas ça. La chambre sur le... je veux bien 9-1-3, mais de quel bord je tourne? Y a pas d'indice là-dedans. Tu sais, l'autre coffre que j'avais dans l'entrepôt, ça me disait, mettons, ouest, est. Je suis comme un peu. Ma confiable est tournée, Calvas. Un coffre d'habitude, on a un cadenas, on ouvre ça comment d'habitude? C'est. Il me semble. Il me semble que tu devrais être... Comment j'ouvrais? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un cadenas pour vrai. Là. Ok, mettons je fais ça de même. Ça. Non, c'est pas ça. Et là, par quel bord je suis posé de tourner? Aide-moi, quelqu'un! Me semble que le cadenas, quand on était à l'école, mettons, me semble que c'était droite, gauche, droite? Non? Ok, je vais essayer. Attends, ça. Ça. Ça a marché. Oh yes! Fait que c'est gauche-droite, faut que je refasse un tour complet vers la gauche. Clé du bureau. Bah, j'ai trouvé la clé. Yes! Ça, c'est quoi, ça me donne un indice en plus? Le patient qui occupait la chambre vide souffrait d'une grave maladaptation. La chambre vide a l'air assez importante dans le jeu. Car si je comprends bien cette pathologie, elle pourrait me faire ultérieurement remettre en cause ce diagnostic. Et j'ai des raisons de croire que je pourrais être la proie des conséquences de ce trouble. Car certaines personnes qui sont entrées en contact avec le patient ont semblé adopter une nouvelle vision du monde, selon laquelle chaque aspect était prédéterminé, mais brisé. Chez les patients qui l'ont accepté, certains souvenirs sont devenus ingérables et ont été ensuite rejetés. Je ne sais pas ce que cela signifie,
Je ne me souviens même pas de ce qui est advenu de ce patient. Je pense qu'il s'est simplement égaré un jour et qu'il a été oublié. Comme tous les documents relatifs à ce patient, d'ailleurs. Ils ont tous été détruits ou n'ont jamais existé. Qui a écrit cela? Il n'y a jamais eu de patient dans la chambre vide. Ben voyons. Ok, fait que là, j'ai ouvert ce coffre-là. Prochain endroit à me rendre, c'est où, là? Entre ma réflexion, ok. Trouver le dessin manquant de Grace. Jeter un coup d'œil. Franchir les barrières de l'auto-illusion. Ok, c'est vrai, là, maintenant, je peux ouvrir ça pour aller dans la chambre 1, 2 et 3. Mais c'est parce que j'ai exploré ces chambres-là par les grands parloirs. Fait que ça me sert à quoi? Pourquoi qu'ils me disent que j'ai encore un... Ok. Bon, je suis dans le bureau du docteur. Rien que pour moi. Voyons si j'arrive à comprendre qui est ce type. Il y a deux choses ici. Affaire de Cassandra. Les armures de Mademoiselle Beauregard. Je vous laisse le soin de contacter son agent afin qu'il vienne récupérer ses biens. J'ai trouvé dans sa chambre un des dessins de Grace qu'elle pourrait vouloir récupérer, ainsi que cette clé. C'est celle que vous cherchiez, je crois. Madame Thompson. On dirait que tout le monde me laisse des indices, c'est quand même bizarre. Bon, fait que j'ai... Ah, le morceau, tu sais, la France! La France vient d'apparaître! Voilà pour mettre sur le globe terrestre. Plus le trésor de pirate de McCarthy. C'est ici que McCarthy a dissimulé mon chevreau préféré. C'est très important. Ok, fait que ça va me donner le dessin de Grace. C'est-tu moi ou... Ok, le... Ok, il y a encore une autre clé là, je pense. Ouais, clé de la cage d'escalier. Ok. Ça avance plus rapidement, là. Traitement de Jérémy. Je me trouve pris dans une bataille perdue d'avance avec mon patient. Comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent courrier, il est complètement prisonnier de sa psychose. Il m'est déjà assez pénible de le voir se torturer lui-même avec sa paranoïa, mais sa folie s'avère être très convaincante pour les autres patients, préparant ainsi le terrain pour une psychose de masse. Je vous écris dans l'espoir que vous puissiez me conseiller. Au-delà de mon ambition d'éviter à mon patient une chirurgie dévastatrice, je commence à m'inquiéter de mes propres défenses. Les paroles de mon patient sont dérangées, mais elles m'atteignent souvent, éveillant en moi quelque instinct primitif. J'ai essayé de réaliser des radiographies de son cerveau. Il a été étonnamment difficile d'obtenir de bons résultats. Des taches sombres sur les clichés masquent tous les détails. Mon patient a regardé les plaques photographiques défaillantes et a poussé un cri de terreur. Il m'a dit que les zones sombres étaient l'ombre du ver qui le dévore de l'intérieur. Arc. Je n'ai rien vu qui sorte de l'ordinaire. J'espère que c'est un signe que mon esprit n'est pas aussi réceptif à la folie que je le craignais. Au terme d'entretiens plus approfondis, mon patient a assimilé les ombres à l'intérieur de son esprit à une sorte de monstruosité chthonienne qui profane son sanctuaire. Il s'agit clairement d'une référence à un endroit qu'il appelle Taroeia, une sorte de bibliothèque. Ah, je suis déjà allé là, moi. Qui constitue pour lui un refuge psychologique. Ce refuge imaginaire étant menacé par cet être chthonien, il a maintenant construit une autre cachette, moins agréable. Dernièrement, il a évoqué la métaphore... Ah oui, mais en piquette, ça rajoute tellement à l'immersion, pour vrai, là. Il doit démarrer le moteur et faire marche arrière, mais il craint que le trou dans la coque ne fasse sombrer tout le bateau.
Cela fait maintenant une semaine qu'il transforme cette métaphore en réalité. Il sait qu'il s'agit d'une invention, mais il redouble d'efforts pour en faire un vrai souvenir. Je suis persuadé que c'est l'occasion pour moi de franchir les barrières de son auto-illusion. Ok. Bon, là, faut que je cherche des plaques radiographiques. Là, j'ai plusieurs choses à faire en même temps. Fait que je vais faire une chose à la fois, ça va être plus simple. Ça fait que j'ai la clé de la cage d'escalier. J'ai cette clé-là ici. Pourquoi qu'il me dit qu'il y a encore un... Je comprends pas. Dans le bureau de l'employé, ça me dit que j'ai encore quelque chose à faire. C'est étrange. Pourtant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire comme énigme, mystique? Je comprends pas, il me semble qu'il n'y en a pas. Le coffre, je l'ai fait. Moi, j'ai oublié quelque chose dans le coffre, mais non, même pas. Peut-être un bug, je sais pas, mais il n'y a plus d'autres énigmes à faire là. Ah, le Saint-Bureau. Toi, je te regarde, mais je vois plus te voir. Je suis resté pris avec toi deux fois. Ça me tente plus. Ok, fait que si je ressors là... Je sais pas, ça donne-tu quoi d'appuyer sur la clochette? Yeah, un petit beat. Bon, ok, y'a rien. Mais, ouais, ça m'avance pas. Encore fermé de ce côté-là. Mais, ok. On s'entend que c'est par là, j'ai pas le choix. Fait que c'est peut-être ça l'affaire, c'est que. Là, je vais pouvoir l'ouvrir de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Ok, fait qu'un autre raccourci. Comment qu'on appelle ça un repas de pâtes? Ben, un raccourci. Elle est bonne, hein? Ok. Ah! Tabam! What the hell? Qu'est-ce? Ah ben ouais, pourquoi pas? Je veux dire... Ça donne le goût d'ouvrir des portes de bord. Que... Celle-là, j'avoue, je l'ai pas vu venir. Bon, ça ici. Ne me faites pas mon idée. Bon, ça, c'est le bureau du docteur. On va arrêter de niaiser. On va aller voir mon ami Tinours. T'es encore là? Comment ça va? Ah, c'est vrai, je... Ben voyons, je veux pas le tirer. Salut, monsieur Héron. Et monsieur Deux Héron. Ça va? On va les appeler Denis puis Claude. Denis puis Claude Héron. Bon, ok. C'est comme un bruit bizarre. Ok, là, faut que j'aille par où? Okay, fait que là, si je vais par là, là, je vais pouvoir ouvrir là parce que j'ai la clé pour ça. Yeah. Ok. Non. What the... Non, t'es pas encore là pour vrai, là? Viens-tu de me tirer une balle, moi, là? What? Ok,
Qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais je pouvais pas rien faire d'autre, j'étais comme bloqué là. Ok, mais cours, bordel! Arrête de prendre ton temps! Ah non, dis-moi pas, ça va faire comme Resident Evil, là. Faut que je me sauve de mon Némésis. Ça, ça m'écœure quand ça fait ça, pour vrai, là. Ok, la frère, je me souviens plus, c'était où. Non, il n'y a pas de globe terrestre là. Là, s'il me suit, je vais être en tabarne. Non. Ok, chercher le trésor dans le Saint Grace, jeter un œil à la chambre est vide. La chambre est vide, c'est où la chambre est vide? Je me dis, ça doit être la chambre 6, là, ça, j'ai pas accès. Fac. La cage d'escalier. Hey, j'ai toujours pas fait d'énigme dans la chaufferie. Hein? Ou c'est un bug, puis je l'ai fait, puis ça fonctionne pas. Je sais pas trop. Ok. Fait que si je... Peut-être que... Je sais pas si je serais trop loin. La cage d'escalier est fermée des deux côtés, l'autre là-bas. Là, si je vais en face ici, je pense que la porte est barrée, c'est ça. J'ai pas accès. Ah, j'espère juste qu'il me suit pas le coquin parce que ça me tente pas de. Okay. Non, ça c'est pas la chambre de. Attends, c'est la chambre du boxeur ça? Il n'y avait rien à trouver ici, non? Ok. Ok, ça c'est, je pense que c'est la chambre de Grace. Ouais, non, pas du tout. Voyons, Calvin, c'est où la chambre de Grace? J'étais à la bonne place, moi, premièrement. Je me souviens pas si c'était à jour, c'est l'autre. Ah, bien maudit. Ok. Là, je suis rendu... Quartier privé. Je pense que je m'en vais, mais en tout cas. On va dire que c'est par là. Je sais pas, je fais-tu passer par là? Je m'en souviens pas. Oh yeah! Ok. Là, je m'en irai en haut, mais en haut, il n'y a pas rien à faire là pour l'instant. En fait, il faut que je traverse toute la mezzanine au complet. Je passe par là, non? C'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Ok, parfait. Bon! Ensuite, carrément à l'autre bout là-bas. Ça va être en face. Yep, ok. Là, je retourne à la galerie. Ah, la France est ici. Il manque quelque chose.
Une fiole de vie, pourquoi pas. Carte des Caraïbes. Ah, ok, bah c'est juste ça. Un objet parmi tant d'autres. Ok, puis là ensuite... Non, je l'ai passé. C'est juste là. Bon, Gray, j'apporte ton morceau de dessin qui manquait. Ben voyons. J'avais pas son... Le trésor des pirates de... Ben oui, mais c'était pas ça. Pourquoi qu'il est encore là, lui? Je le ramasse à chaque fois que je vois dans la pièce. Fait que c'était pas ça. Là, faut que j'aille où? Bon, la cage d'escalier. Ça, je l'ai ouvert. Non, faut que j'aille l'ouvrir, en fait. Ça, c'est à l'autre étage. Faut que je descende d'un étage. Toutes ces chambres-là au complet sont terminées. Donc, je peux pas rien faire là. Chambre 7, il me reste de quoi? Mezzanine, ça me dit que c'est exploré, mais c'est pas terminé. Il va peut-être avoir quelque chose à faire là. Le grenier, j'ai pas encore accès. L'infirmerie, c'est où? Ça, c'est à la cave, fait que c'est sûr que c'est pas ça. L'infirmerie. Et voyons. C'est moi qui est fou, je le vois pas. Je la vois pas, ça c'est. À moins que ce soit la salle de traitement, mais non, je suis allé tantôt. Ah, ok, c'est là. Wow, fait qu'il me reste encore toute une section que j'ai pas encore explorée. Comment je vais faire pour aller là maintenant? Bon, je vais commencer par retourner au premier étage parce qu'il faut que je me rende à la cage d'escalier là-bas pour pouvoir déverrouiller. Ça va m'apporter où, par exemple, ça c'est l'affaire. Ok. Bon, ben on fait du va-et-vient pas mal. Là, je me trouve à être... Là, ça va être les toilettes. Non, non, non. Faut que je rebosse l'autre bord. Je reparte sur ce côté-là. Je redescends ici. Oh, j'espère que j'arriverai pas face à face avec le grand ténébreux. Un moyen sacré, il créera même pas à ça. Ok, fait que là. Faut que je passe par complètement par là. Oui. Mais la terrasse, c'est un petit qui était bloqué tantôt. Ça, la terrasse est bloquée là. Puis là, je peux pas descendre là. Fait que je suis comme pris là. Là. L'échelle est revenue. Bon. Ben, coudonc, hein, c'est. Je. Comprends pas comment que l'échelle est revenue. Mais bon, ça a l'air qu'il est revenu.
Bon, je peux-tu passer par là? Non, j'ai pas la clé encore. Ok. Ok. Bon. Je suis rendu dans le petit parloir. Non, c'est bloqué de l'autre côté. J'entends des gens parler. Ça vient de sauvegarder en tout cas. Je suis pas fou, j'ai entendu des gens parler. Oh là là. Ok, là je suis rendu où? Escalier. Toilette. Ah, la lumière est revenue là, au sol. C'est vraiment une bonne idée d'aller là. J'ai comme pas le choix de passer par là si je vais aller... Ah, oh, t'es sérieux, ça prend la clé pour ça? Ok, fait que je vais remonter là. Mais là, je reviens sur mes pas pas mal. Pas évident de se retrouver dans ce manoir-là. Pour vrai, c'est grand sans bon sens. Bon, la mezzanine. Ok, ensuite. La chambre 6. Attends, ça veut dire que c'est la chambre qui serait là. Puis elle, ben, oublie ça, là, ça prend la clé. Ouais, c'est ça que je pensais. Fait qu'il faut que je réussisse à me rendre de l'autre côté, parce qu'il y a l'escalier. En faisant le tour. Je suis pas sûr, je pense. Mais bref, si je le sais pas, je le saurais pas. Hein. Ok. Hey, salut, Max! Que fais-tu de bon? Elle est fermée à clé de l'autre côté. Ben ouais, mais je le sais, tu viens de le dire. Ben là, ok, mais... Attends, là... Je m'en vais à l'escalier, mais... Faut que je me rende au grand parloir. Les enfants de nerfs, c'est tranquille, ok. Bon. Ah bon, enfin, tu l'as commandé où? Tu l'as-tu commandé chez Amazon? Parce que c'est ça, c'est longtemps, là. Moi, d'habitude, Amazon. Ben, c'est sûr qu'avec Prime, tu sais, je m'arrange pour avoir le stock le lendemain ou. Peut-être 48 heures, mais pas plus, là. Ah, ça serait ça, la clé? Ah, bon, ok, parfait. Tu l'as commandé, ça veut dire que tu quoi, t'as annulé ta première commande, puis t'as décidé d'y aller avec un autre, c'est ça? Ah, les égouts qui fument demain, c'est jamais un bon signe. Là, je suis rendu où? Ah, ben, calvaire, j'ai trouvé le chemin pour aller à l'infirmerie, puis tout ça. La zone, j'avais pas à quoi explorer, en fait.
Oh, ça, par exemple, c'est... Ah, ouais. Vas-tu vivre de quoi comme dans Batman Arkham Asylum avec le... Ou Arkham City? Non, c'est Arkham Asylum, je pense. Avec le... l'épouvantail, là. Ça, c'était un peu ordinaire. Le bouc émissaire. Après, la première fois, j'hésitais et j'ai... Ah, OK, je pensais que tu l'avais... Tu l'avais commandé, puis tu t'attendais le recevoir, parce qu'il me semble que tu te dis, ah, tu sais, j'attends ma carte, mais... J'ai peut-être mal compris, hein. Tu sais, des fois, ça arrive, là, mon ça. Ah, non! J'ai besoin de la clé. Eh oui, je sais. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, c'est la radiographie. Bon. Patient, Jérémy Arthur. Date, 14 juin 1930. Parce que là, ça a peut-être commencé à faire peur un peu, là, dans l'infirmerie et tout ça. Là. Jérémy s'est avéré difficile à photographier correctement. Les radiographies partielles ont donné les meilleurs résultats. Une image complète du cerveau peut être obtenue en assemblant trois plaques. Excusez. Tabarouette, hein? Les radiographies assemblées, une ombre recouvre des parties importantes du cerveau de Jérémy. Il est possible qu'il s'agisse d'une tumeur, mais il est probable que l'équipement soit défaillant. Jérémy a réagi fortement aux images, affirmant y voir un ver d'argile géant qui dévore et déplace ses souvenirs. J'ai l'impression que ça va être un boss, ça. Peut-être le seul boss du jeu, peut-être. Bien que cet exercice ne m'ait guère apporté de réponse, je suis convaincu qu'une lobotomie de Burkhardt devrait permettre d'isoler toutes les parties nécessaires. Une lobotomie de Burkhardt. Ouais, ben écoute, il est à peu près temps que les Blue Jays en gagnent, là, parce qu'à part avec Berrios, là, il se passe pas grand-chose au monticule, puis en attaque... Le problème avec l'attaque, honnêtement, là, puis bon, là, on parle un peu de baseball, on s'égare un peu, là, mais j'en parle pareil parce que c'est mon sport favori avec le soccer, en fait. C'est la même affaire que l'année passée, puis il y a 2 ans. En fait, depuis que Schneider est là, ils sont pas capables de fabriquer des points. Ils font juste ça à coup de circuit. Ils volent pas de but. Ils font pas de baseball de situation. Ils feront pas de court et frappe ou de frappe et court. Moi, c'est ce que j'adore du baseball, en fait. C'est ça. Fabriquer des points. Pas juste sacrer la balle de l'autre bord. Souvent, ça va juste donner un point. Fait que moi, j'aimerais ça avoir, tu sais, comme à l'époque de Cito Gaston, mettons, ça fait longtemps, les années 90-2000, là. Fabriquer des points, moi, c'est ça que j'adore au baseball. Le court et frappe, les stratégies, le vol de but, il arrive avec son lanceur gaucher, tu répliques avec ton frappeur droitier, mais les Blue Jays, ils ont pas ça. On dirait que tout ce qu'ils veulent faire, c'est la mettre l'autre bord de la clôture, puis attendre de voir si les lanceurs vont faire la job. Mais c'est pas ça, le baseball, là. Je préférerais une équipe, comme, mettons, comme les Braves d'Atlanta, mené par un Québécois, en passant Alex Antopoulos, que les autres fabriquent des points à pelleter, là, des courts et frappes, des vols de but, etc. Moi, c'est ce que j'adore dans le baseball. Là. Mais les Blue Jays, visiblement, ils n'ont pas ça. Puis je pense que tant qu'ils n'auront pas changé d'entraîneur, mettre Don Mattingly peut-être qui est bon que les frappeurs, mais il ne se passera pas grand-chose d'après moi. C'est plate, mais c'est ça. Si tous les recours ont été épuisés. Bon. Une hypothétique psychochirurgie inspirée des idées de Burkhardt et des recherches de Saint-Pétersbourg pourrait finir par sauver l'esprit de Jérémy. Couper les connexions autour du lobe frontal résoudrait certainement la plupart de ses afflictions. La procédure serait brutale en termes d'exécution et d'efficacité. Un pic à glace, introduit par le côté de l'œil et enfoncé dans le crâne, trancherait les nerfs, tel Alexandre tranchant le nœud gordien. Mais ouais, dans la mesure où cette procédure laisserait probablement Jérémy dans un état très altéré, toutes les autres voies devraient être explorées au préalable. L'instrument médical dont j'aurais besoin pour pratiquer cette lobotomie a disparu. Et je devrais demander à Waits d'en commander un nouveau. Oh, là, ça va loin, là, on parle de lobotomie présentement. OK. Ouais, c'est vrai, à cause de ça, le match était plus de bonheur aujourd'hui, c'est vrai. Là, il va être temps qu'il vienne à Toronto, parce qu'honnêtement... Le voyage n'a pas été facile, comme dirait l'autre. Ils sont durs à jouer contre les autres équipes contre les Blue Jays. Fusible électrique. Bon, OK. Un autre petit objet que j'aurai de besoin, j'imagine. Ça va rétablir le courant, parce que là, il n'y en a plus de courant. Ah, ben, j'aurais pas attendu bien longtemps, finalement.
Ok. Je comprends pas, il y a un marqueur. Il doit en manquer un, bon. Bon, clé de la salle d'opération. Ouf. J'ai pas hâte de voir ce que je vais découvrir là. Radiographie. Bon, fait que visiblement, il manque un autre fusible parce que c'est ça. Mais là, il me semble que j'ai pas tout visité dans ce coin-là. Et je sais pas ce qui m'attend à l'autre bord. Rien. C'est bête des savants. Un fusible! Avec plaisir. La phrase, toi! C'est pas comme enfin je vais voir, non, c'est comme avec plaisir. Ah, c'est ça que je vais le faire, je vais rétablir le courant. En courant! Elle est bonne. Ah! Ah, c'est un mini-jeu! C'était difficile, tabarouette! C'est mieux comme ça. Ben, ok. Le courant est rétabli. Hydro-Québec ont fait leur job pour une fois. J'ai plus besoin de lampe de poche. Bon, une petite malle ici. Avec rien! Faire un changement d'ailleurs. Ok, ici, faut que j'ouvre la porte. Freeze, motherfucker! Non. Il n'y a personne. Ok. Encore une radiographie. Ok. Bon, l'infirmerie. Là, je suis rendu à la salle de quarantaine. Il me reste. Là, il me reste plus grand chose à explorer, finally. Finally! The Rock! Hey, c'est vrai, c'est en fin de semaine, WrestleMania, les fans de lutte, là. Moi, je vais le regarder, c'est sûr, demain puis dimanche. Chercher les plaques radiographiques de Jérémy à l'infirmerie. Ben là, à date, j'en ai trouvé deux. Il m'en reste combien à trouver? Ah, ok, je peux aller ici. Je ne pouvais pas y aller tantôt. Ben ouais, mais ça prend la clé. Évidemment, trouver un fusible pour le joncteur. Moi, ben écoute, fan de lutte. Il fut un temps, quand j'étais jeune, je regardais ça tout le temps sans arrêt. Et j'ai eu ma période que j'ai arrêté de regarder la lutte. Puis depuis que la AEW est arrivée sur le marché, ben je te dirais que oui. J'ai repris goût parce que la différence, là, grosso modo, bon, ceux qui suivent la lutte, vous allez comprendre. Ceux qui ne suivent pas, vous allez le perdre en maudit. La WWE, c'est entertainment, ok? C'est vraiment plus de blabla puis tout ça, des drames, que la AEW. La AEW, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus. Tu sais, mettons une émission, WWE, mettons, je prends un Raw. C'est le lundi que ça dure 3 heures. Mais sur 3 heures, en tout et partout, il va peut-être avoir 35 minutes de combat, tu sais. La AEW, le show Dynamite, mettons le mercredi qui dure 2 heures, là-dessus, il y a à peu près 1h45, c'est du combat. C'est ça la différence. Et moi, je trouve bien plus mon compte avec la AEW que la WWE. Par contre, la WWE, ils ont deux excellents lutteurs québécois, Sami Zayn et Kevin Owens. D'ailleurs, un qui vient de Marieville, où est-ce que j'ai déjà resté. Puis, pas encore une foutue clé, bordel. La AEW, ils ont des lutteurs québécois aussi. Tu sais, il y a beaucoup de lutteurs qui parlent anglais seulement, mais qu'on soupçonne pas qu'il parle français. Puis oui, il parle français. Ça, c'est cool. Comme John Cena, ça a l'air de rien, mais oui, il parle un peu français. Il y a peut-être pas grand monde qui le savent, mais bon. OK, faut que je retourne là, moi.
Ah, faut que j'aille poser radiographie, je pense. Un, deux. Ok. Faut que je reconstitue. Faut que je reconstitue. Je viens d'inventer un nouveau mot. Je reconstitue l'image. Ben les femmes, écoute, sont dans les deux fédérations, puis ils sont de mieux en mieux. Fait que oui, je suis pas le genre de personne qui va skipper un combat vu que c'est des femmes. Là. Au contraire, demain à WrestleMania, ça devrait être même un des combats féminins qui va voler le show. Fait que ça m'étonnerait même pas. Ok, fait que lui, avec l'écriture comme ça, ça devrait être en bas. En principe. Puis là, ça me prend. Attends, je comprends pas le principe, comment ça fonctionne. Ok, mettons, je tourne celle-là. Non, je pense pas que ça fit là, ça. Ok, okay, mettons celle-là. Non, mais c'est parce que j'aimerais ça. Bon, pouvoir changer, s'il vous plaît. C'est pas clair, hein? Placer la plaque radiographique. Je comprends pas. Pour vrai, j'essaye de. Ok. Selon la place où la mettre. Mais celle-là, elle bouge pas. Ok, là, je peux la mettre là. Ah, je pense que je tiens quelque chose, là. Mais non! Come on! Bon, reste là! Attends, là. Si je place ça de même... Ouais, non. Je comprends rien pour vrai. Qu'est-ce que c'est ça, bordel? Il y a il doit avoir, Je crois qu'il doit avoir un indice quelque part. Ou c'est moi qui est vraiment imbécile qui comprend pas, là? Ça, ça n'a pas rapport. Ok. Ça non plus. Est-ce quelque chose qui a rapport au cerveau là-dedans? Je pense pas. Ouais, mais je comprends, sauf que regarde, mettons, là, je suis comme limité dans les mouvements que je peux faire. Je peux aller en haut, à droite, à gauche. Je vais essayer, mais je sais pas comment les attacher, honnêtement. Tu sais, je sais pas si ça a rapport, là. Ouais, je le sais, faut que je reproduise la corde, mais ça se place mal en maudit, pour vrai. D'après moi, celle-là va aller ici. Fait que là, je vais enlever celle-là qui n'a pas rapport. Ah, oh, come on! C'est l'autre que je vais enlever. Bon, celle-là n'a pas rapport. Ah! Oh.
Sors de là, là. Fatigant. Bon, ok. Fait que celle-là devrait aller comme ça. Ok. Non. Pas ça du tout. What the fuck? Non, elle va pas là non plus. Mais c'est parce que... Pourquoi je peux pas être... Oh là là! Je... Aïe aïe aïe, ok. Pourquoi... Je comprends juste pas pourquoi qu'il tourne pas comme que je veux. Dans le sens où... J'essaye vraiment, là, vraiment, des mettre, puis ça veut rien savoir, on dirait, je sais pas si... Je pense pas que c'est un bug, même année, là, faut que j'arrête de dire qu'un jeu, il y a des bugs tout le temps, là. Ça a aucun sens, mais... j'arrive pas à faire la radiographie, c'est ça qui est con. Je sais pas de quel bord tourner, pour vrai. Je sais pas trop. Il manque-tu quelque chose, peut-être? Peut-être qu'il manque une photo, non? Non, ben, je les savais toutes, dans le fond, fait. Comment je peux bien les placer, les maudites radios? Parce que là, visiblement, il manque... je comprends pas comment... Parce que celle avec le nom en bas, il me semble que ça serait au moins elle qui va en bas, non? Tu sais, je vois pas comment... Qu'est-ce qui... On va faire une phrase. OK. Réfléchissons. C'est ça. OK. Je vais y aller avec le début, là. Je vais la mettre en bas, comme que je pensais. Puis... Ah, mais c'est peut-être ça, l'affaire. Peut-être qu'ils sont pas droites. Moi, j'essaie depuis tantôt de les mettre droites. Fait que c'est peut-être ça, l'affaire. Je vais essayer de la mettre croche, peut-être, si ça va peut-être tout de suite. Ah, veux-tu t'en aller de là? OK. Mettons celle-là, OK? Là, je la tourne. C'est ça que... OK, attends. Mettons, je fais ça de même. OK. Je peux-tu la... Non, OK. Fait que je pense que celle-là va pas là. Peut-être celle-là. Bon, mettons que je tourne ça de même. Ça aurait du sens, ça, non? Je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là. Puis la prochaine, ça pourrait être celle-là, peut-être. Mettons que je la tourne. OK. Fait que je pense que c'est peut-être l'autre en bas qui est peut-être trop croche, peut-être. Ah, non, je l'ai eu! Je l'ai eu! What the... Hein? Les ténèbres de Jérémy. C'est quoi ça? Un morceau brisé d'argile brûlée, sa taille suggère qu'il doit s'agir d'un morceau d'une statue. OK. Fait que, moi, là, j'ai tout fait ça pour ça. Moi, je pensais comme un imbécile. Fait que je prends toutes les photos, je les mets là-bas. Hey, c'était pas clair, hein. Pour vrai, là, c'était vraiment pas clair. OK. Mais, trouver le dessin, ok, c'est bon. Trouver le reste de la statuette de Jérémy. Puis je sais pas.
trouvé le fusil pour le disjoncteur. Ben oui, mais ça, je l'ai trouvé. Pourquoi qu'il... En tout cas. Fait que là, faut que je retourne où? Parce que... Trouver le reste de la statue de Jérémy. Ouais. Je suis posé de trouver ça au moins une statuette de Jérémy. Hey, désolé, hein, ceux qui regardent puis par Akito que j'avance pas vite, là, je fais mon possible. Ben, ces énigmes pour vrai sont vraiment pas faciles. J'ai pas de clé encore. Mais il est où le maître des clés quand on a besoin? Il est sûrement pas eux dans Ghostbusters, Calvas. Je suis le maître des clés. Ben là. Hop, à la mer! Non, c'est pas au pain fou off, ça s'appelle ce petit nain dans Fort Boyard. Tabarnan! On retourne dans Silent Hill encore! Ça arrive encore! Qu'est-ce que je suis censé faire? Ben, grimper d'après moi! Puis, ok. Ok. Cours, Forest! Cours! Même pas eu peur. Ah, t'es pas sérieux, j'ai pas la clé. Ouais, y'a un canot là. Ah, ben oui. Ben oui, pourquoi pas. Le canot de sauvetage. Bon. J'avoue que le chapitre 4 à date, c'est le plus épeurant de la gang. C'est le moment idéal pour examiner cet endroit. T'sais, je suis dans le grenier. La seule place que j'avais pas encore visité. Oh, ça c'est un nœud pis ça pense. Ça c'est pas une bonne idée, par exemple. Je peux pas rien faire, j'appuie sur X, il se passe rien. Allô? Là, je veux pas me pendre, là, c'est pas ça. Je veux savoir pourquoi qu'il y a un X. Ok. Là, faut que je reconstitue la statue. Bon, ça, j'imagine que c'est là-bas. Ok. Ça, c'est l'autre bas. Ça a été difficile! Ah non, pas encore le talisman, bordel. C'était quoi donc? Non, c'était pas 258. Je m'en souviens jamais de la maudite combinaison de petit talisman, bordel. C'est quoi? Je l'ai dit à quelque part. Non, c'est pas ça que je veux faire du tout là. Ah ben, t'es créateur! 6-4-1-1-4-6. On va les essayer toute la gang. Fait que 1, 4, c'est pas ça. Bon, ok, fait que 6, 4, bon, c'est pas ça. 6, 1, 4, non, fait que ça va être 4, 1, 6. 6, 4, 1, voyons. Et voilà, ok, bon, c'est bon. Ah, le nœud coulant. Bon, mais coudonc. Ben, le nœud pendu. Tu peux appeler ça comme vous voulez. Fait que c'est pour ça, tantôt, que je me rendais là, mais il se passe à rien.
Parce que l'interaction va avoir lieu là. Ou pas. Toi, tu me regardes d'une bizarre de façon. Ferme tes yeux. Je te trosse pas. Bon, ok. Il n'y a rien ici. Je suis posé de chercher quoi, moi, là-dedans. Là. Objectif. Trouver, visible, genre, trouver l'entrée de l'autre monde. Bon, ok. Il faut que je trouve l'autre monde. Un autre monde! Eh boy, hein? Oh, il a pas aimé ma chanson, ça a l'air. J'ai vu chanter, il a fait « Hein? » Excusez. C'était quoi ça, un autre monde? C'était-tu dans Aladdin? Non, mais c'est ça. Je suis même pas supposé de connaître ça, moi. Pourquoi je chante ça? D'après moi, faut que je me... Ah, oh, il y a du sein ici. Ça, c'est bon signe. Ben, c'est bon signe. Ça me dire, où l'entrée, c'est ça, je veux dire. Non, c'est... C'est ici que Jérémy se cache. C'est moi! Ton pire cauchemar! Attendez! Est-ce que vous m'entendez? Je suis enlisé dans la boue. Jérémy, où êtes-vous? Voyons. Je ne peux rien faire de... Bah arrête de parler, Jérémy. Puis je vais aller t'aider, cinématique, à m'arrêter. Je vais remettre ce bateau en marche. Bon. C'est l'histoire d'un bateau, comprends-tu? Le bateau s'est tassé, puis il est rentré dans la boîte. Bon, ok. Ah, il y a un autre monde, un nouveau monde. Ça, ce sera pas pour un mot, là. Le principe était bon. Là. J'ai chanté. Voilà. Mais merci, Piquet, de la référence. Je l'avais pas tout à fait. Ok. Fait que d'après moi, il faut que j'aille là, tu sais. Bon, là, je vais te recharger mes fusils pour être bien sûr que je suis plein. Yep. On va prendre une petite fiole de santé aussi. On va boire un coup pour oublier. Comme dirait Émile Bilodeau dans une de ses chansons. Oh, il y a un petit quelque chose ici. Ah, des munitions! Hey, justement, j'étais bien gangster, ça vous tente-tu de jouer au poker? Il y a une belle table, là, justement. Ah! Tabarde! Ben voyons, c'est quoi ça? Je vois rien! Ça, le prix de cochonnerie! Meurs! Bon, je pense qu'il est mort. Ok, ouais, j'avoue, le chapitre 4 à date, il est pas mal plus épeurant, ou en tout cas effrayant, ou appelez ça comme vous voulez, que les autres chapitres, les trois autres, là. On dirait que se sont dit, bah, c'est pas bon que c'est grand chose à date, on va tout mettre dans le chapitre 4. C'est pas plus mal, les films d'horreur sont faits d'horreur. Les films d'horreur qui durent 1h30, il se passe rien pendant 1 heure, puis la dernière demi-heure, tout arrive, tu sais, c'est. C'est rare de ça, les films d'horreur d'aujourd'hui maintenant, tu sais. Le bateau est bloqué, il s'est enfoncé dans le bayou. Si j'arrive à faire démarrer le moteur. Je peux essayer de faire reculer le bateau jusqu'au fleuve. Wow! Tout un détective! C'est capable de me dire les prochains chiffres de la 649, ça m'aiderait. C'est bloqué de l'autre côté, évidemment. Ok, je sais pas, faut-tu que je descende, faut que je monte, faut que je fasse quoi là? Ah, je pense faut que je monte. Il y a une clutch. Un cocktail Molotov. Ça veut dire qu'il va y avoir des ennemis, ça.
La petite musique stressante avec les bruits ambiants, bon, ça fait vraiment le travail. Là. On va leur donner ça. Là. Ah, je suis sur un... je viens d'allumer, là, vite, vite, de même. Là. Je suis sur un bateau à vapeur en Louisiane. Tu sais, les gros bateaux là, qu'on voit, mettons, dans le film Tom Sawyer et tout ça, là, c'est exactement ça, je pense. Comment qu'il appelait tantôt le Hollandais volant? Je pense que c'est ça. Là, j'ai un cocktail Molotov, il n'y a pas d'ennemis, c'est bien poche. Ouais, la Liberté Belle, là, c'est quoi? C'est à Philadelphie, ça, je pense, hein? C'est là qu'a lieu WrestleMania en fin de semaine, en plus. La ville de la fraternité. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y avait des casinos sur... des casinos flottants. Bon, c'est pas que c'est long, mais c'est long. Surtout que lui, il se déplace tellement rapidement, là, c'est fou, on dirait qu'il y a la baleine dans les fesses. On va leur donner ça, par contre, aux développeurs, ils ont fait un jeu hyper diversifié dans les zones à visiter, là. C'est assez incroyable. Là. Je passe d'un bateau en Louisiane, à je suis en Égypte, dans un manoir complètement disjoncté. Je me suis ramassé dans une espèce de ville. Après ça, dans un... un puits de pétrole. Et rien de moins. OK. Ça, ici, c'est débloqué. Parfait. On peut passer par là. Non, mais à quelle heure qu'arrivent les ennemis, là? Parce que moi, j'attends, là. J'ai ma masse, justement, là. Puis... Non. Gardien. Ah, une valise. Et rien. Il me semble que je l'ai dit souvent dans le jeu à date, ça. Oh, quelque chose d'intéressant. Rien. C'est quand même le fun, hein? Tu fais de la recherche, finalement, tu te rends compte que... Bah, ça sert à rien. C'est pas mal, ça. Mais là, j'ai visité pas mal le bateau. Puis là, trouvez-moi d'accéder à la salle des machines sous le pont. Sous le pont d'Avignon. Libérer le bateau à vapeur des trains du Bayou et ramener-le sur le fleuve. Ben ouais, attends, sont solides les racines. Okay, faut que je trouve un moyen de descendre sous le bateau. Ben j'ai juste un sacré en bois ici dans le fond, puis Tiguido, non? Ah, je pense que c'est ça qui va arriver. Le train fonctionne avec de l'électricité. Il faut que je trouve un moyen d'activer l'alimentation avant de pouvoir l'utiliser. Parlant d'alimentation, j'ai faim. Bon, encore une affaire de fusible. Ah là là. Ok, mais je peux-tu descendre ici, disons? Ce serait plus facile de descendre là, non? Mais ça. Ben oui, toi. C'est pour ça qu'il y avait une lanterne rouge. Ça indiquait qu'il fallait que je descende là. Pas bête, le monsieur. What the? Ah, encore ça! Meurs, meurs! Hey, hey, wow, wow, wow! Lâche-moi, saleté de bébête du diable! C'est quoi ça? Des espèces d'araignées, c'est quoi? Je comprends pas. C'est solide en tout cas. Ouais, ici, il y a une porte.
Ok, là j'ai pu débarrer. Bon, excellent. Ok. Oh, un masque. Bon. Bon, visiblement, je peux pas passer par là, ni là. Faut que je fasse le tour, je ressors, puis il y a une porte là qu'il faut que j'aille. Mais je peux pas traverser là non plus. Fait que faut que je ressorte. C'est simple. Bon, mais coudonc, hein? Eh bien. Bon, l'ambiance est assez... ouais. C'est pas trop ce qui attend, là, présentement, parce que... C'est devenu super calme tout d'un coup, là. Je sais pas si la créature du marais, comme dans le film, va sortir, va essayer de m'attaquer. C'était pas pire, ça, à l'époque, comme film. Où êtes-vous? Yo, Jay! Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas... je sais pas, je peux les buter, ça va qu'ils me sautent dessus. Même pas. Ça a l'air d'être des œufs d'araignée ou je sais pas quoi, puis j'espère que c'est pas ça, parce que... Je vais vraiment être déçu si on foutu une araignée dans le jeu, là. Sincèrement, là, let's go, vous êtes capable de mieux que ça, là, pour vrai, là. Ben là, je fais quoi, moi, pour me rendre l'autre bord? Faut que je pète tous les tonneaux qu'il y a là? Ça a pas l'air, non? Fait que c'est pas par là, faut que je passe. Bon. Mais là, c'est pas par là, c'est par où? J'ai pas tout compris, faut que je remonte. Ah, mais j'arrive pas de là, moi, me semble. Ah là là, ok. Ah, il y a des balles. Ah, je pense que je me retrouve l'autre côté que j'étais tantôt. Ben ouais, toi. Tu penses que je te vois pas, là, hein? T'es sérieuse, là? Ah ouais, saute-moi dessus! Pourquoi je peux pas tirer? Bon, je pensais que c'était... Ah, ils sont déjà morts. Ok. Je pense que j'ai jamais pris mon temps autant dans un jeu d'horreur. Ben, un jeu d'horreur. Dans un jeu d'exploration, en fait. Je fais vraiment attention. J'avoue que ça peut paraître un peu long, mais bon. Ok. Je suis déjà venu ici, moi. Évidemment, vu que je suis dans un souvenir, il n'y a pas de carte du Beto. Je pense pas. Ah ouais, je passe par là, j'ai ouvert la valise. Là, faut que j'aille par où d'abord?
veux pas me sacrer là, dans le fond, ça réglerait le problème. Il est où le chemin, bordel? Il me semble que j'ai tout fouillé, non? Là, il n'y a rien. Je peux pas descendre là. Ça aurait été idéal de descendre là. Comme ça, j'aurais pu atteindre la zone qui est là juste en bas de moi, mais je peux pas. Fait que... Comment que je fais pour avoir accès à ça? Pas descendre là non plus. Si c'est pas une porte. Mais là, OK. On va faire... Ah. Bienvenue à 1992. Le chemin, il n'y a pas le choix d'être là, là, bordel. C'était beau en 1992, hein, quand même. Ça a de la gueule. La seule chose que je pourrais avoir, dans le fond, c'est de lancer un cocktail Molotov. Ça, dans le fond, c'est Vivi, Max, c'est un petit contenu qui, quand tu précommandais le jeu, ou tu peux l'acheter à 2,99$, en fait, ça te met les deux personnages principaux, pixelisés en 1992, qu'est-ce que ça a valeur? Parce que ça, c'est la revisite du jeu de 1992, en fait, ceux qui ne le savaient pas. Fait que ça fait 32 ans que ce jeu-là est sorti. C'était beau à l'époque, hein? C'était... Je cherche un cocktail Molotov. OK, mais il faut que ce soit là. Comment que je fais? Je peux pas grimper, je peux pas sauter, je peux pas... Ouais, mais c'est ça, mais faut que j'en trouve un. Puis j'en vois pas présentement, donc... Je vais retourner en haut, il y en a peut-être, là. Je sais que j'en avais vu tantôt, là, mais j'en avais utilisé un. Je sais pas, il serait où les autres, là. Bon, c'est sûr que c'est pas là. Il n'y en a pas. Sur le... Hop! Tabarnane encore ça! Il était... Ben oui, mais pourquoi tu te sauves? Je veux juste te tuer! Chachotte! Eh où là? Where's the baby? Eh voyons. Ah, elle est juste là. Quoi, je peux pas tirer? Ok, je pense qu'elle est morte, là. Mais je comprends pas pourquoi que... Ok, bon. Tu sais, comme là, mettons, je sais, là, regardez bien ça, ça va faire beau, là. Boum. Ben oui, y en a un. L'avais vu.
Hey, là, ça va être long, maman. Faut que je redescende en bas, tous les étages. Ah, ça va être long. S'il vous plaît, va plus vite. C'est long, j'ai le temps d'aller prendre une douche, là. Parce qu'automatiquement, quand je lâche la touche R2, ça le lance. Ça, c'est un peu con. Le jeu est vraiment amusant, est vraiment intéressant, mais il y a des lacunes incroyables, par contre. Ça, on va le dire, là. Je veux dire, je me gênerai pas. Je l'ai quand même acheté, le jeu, en version boîte. Fait que j'ai le droit de le dire. Non, c'est une blague, là. Même si j'avais fait... même si je l'avais reçu, quoi que ce soit... Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je voulais l'acheter en version boîte. Enfin, je ne l'ai pas demandé. Je savais que j'étais pour l'acheter. C'était dans les un des jeux que j'attendais en 2024. Fait que... Mais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, l'affaire qui arrive là-dedans, c'est que le Molotov est tellement pesant. Puis là, ben, j'ai de la misère à garder mon équilibre. C'est pour ça qu'il marche tranquillement comme ça. Je pense que c'est ça, l'affaire. Tu sais, je suis quand même un personnage pixelisé. C'est pas évident. Là. Mais j'avoue que le travail qu'ils ont fait pour ça, de mettre un personnage pixelisé même avec le décor et les objets d'aujourd'hui, c'est super bien fait. Là. Ça, c'est une maudite bonne idée qu'ont eu les développeurs. Pieces Interactive. Là, je ris si je peux pas ouvrir la porte parce que j'ai un cocktail Molotov. C'est ça, là, c'est cette porte-là, faut que j'aille, moi, me semble, non? Tu gosses, là, pour vrai, là. J'ai pas le choix, faut que j'aille là. Puis la porte, elle s'ouvre pas, j'ai un cocktail Molotov pour vrai, là. T'es sérieux, là? C'est là, faut que j'aille, non? La porte, elle s'ouvre pas. On va faire brûler la porte. Ok, c'est si con que ça, je peux pas ouvrir la porte. À moins que je tire sur la lanterne là, peut-être. Non, ça fout rien. Tiens, mais là, j'avoue que je comprends pas. Mais qu'est-ce que je catch pas? C'est-tu le cousin de D'Artagnan, ça, Artan? Il y a une corde au loin. Oui, je le sais, j'ai vu. Mais tu veux que je fasse quoi avec ça? Je veux dire... Tu parles de la corde en métal qui est là, là-bas, là? Je le sais, mais si je suis dessus, ça sert pas à grand-chose, parce que... C'est ça. Fait que ça sert à rien. Fait que... Ben, j'ai essayé tantôt de descendre, mais ça n'a pas marché. Il n'y avait pas de X, il n'y avait rien qui me l'indiquait. Je vais y retourner, mais ça ne marchait pas tantôt. Fait que là, si ça fonctionne, je serais pas content. Tu sais, genre, elle est là, je la vois, là, elle est là, mais je peux pas l'utiliser, on dirait. Là, faut que je refasse le tour l'autre bord pour pouvoir y aller, évidemment.
On refait le tour. Voyons donc, c'est rare que je reste pris dans un jeu de même, mais là, j'avoue que j'ai épuisé toutes les possibilités. Là. Il y a quelque chose qui m'échappe, c'est sûr et certain. Je pense pas que le jeu il est buggé au point que ça fonctionne pas. Là. Quand même pas viré fou. Ça me ramène carrément au début du bateau. Fac. Y'a aucun moyen d'aller là non plus. Là, je fais le tour. Ça, j'ai déjà fait ça. Je rentre là. Ben, la cloche, il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait rien tantôt. Fac. Non, je pense qu'il faut que je trouve l'espèce de joncteur pour faire fonctionner le bateau. Mais il est où le putain de joncteur? Et ça, qu'est-ce que je comprends pas? Je vais retourner à la cloche là, pour démystifier justement, genre si ça fonctionne pas, mais. Regarde, la cloche est ici. Mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien avec. Tu sais, il y a une corde là que je pourrais prendre pour descendre. Ça serait logique. Mais même pas. Il y a même une corde à terre. Attends, c'est peut-être... C'est niaiseux, là. J'espère que c'est pas ça, mais... Je vais essayer de voir quelque chose. Okay, non, c'est pas ça non plus. Tu sais, l'idée était vraiment bonne, Vivi, là. Honnêtement, là, ça aurait été bon qu'ils mettent ça là, mais je veux dire... Là, j'ai pas plus accès à la salle des commandes. Non, s'il y avait une porte pour pouvoir avoir accès là, ça aurait été bien. Tu sais, mettons, descendre ici, peut-être, tu sais, mais non, même pas. Bon, mais il faut que je trouve comment, là. J'avais-tu descendu, là, moi? Non, c'est pas un cocktail, c'est une espèce de... Ah, ben oui, ça veut dire le cocktail est revenu, ouais. Ah, ben attendons une minute. Mettons que je descendrais là, je peux-tu lancer ça, c'est Barry, je pense. Attends un petit peu, toi. Demain, je peux pas atteindre les Barry, c'est sûr et certain. Attends. Tu veux dire à travers la vitre? Ben, je sais même pas si je peux briser la vitre, premièrement. Ils sont solides les vitres sur le bateau là. Mettons, je frappe ça à la cloche. Bon, à part avoir fait un son pour réveiller les morts, ça n'a pas fait grand chose. Non. Oh, tu disais que le cocktail Molotov est revenu parce que moi, je le vois pas. Ok, sinon, il y a peut-être ça, les ancrages ici, peut-être. Non. Mais là, voyons donc.
Si t'es allé voir la solution sur internet, je veux pas le savoir. Non, parce que ça donne pas. Ok, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans dans mes notes là? Ça a-tu rapport ça? Non, je pense pas que c'est un bateau pirate tout ce que je suis, stick. Je pense que ça a rien à voir du tout là. Boy. Je sais pas. Si le trésor du pirate ça marche pas, la chambre vide ça n'a pas rapport. Ça non plus. Ben, c'est ce que je pensais moi aussi, mais tu sais. C'est-tu un bateau, ça? C'est quoi? C'est ça, là, qui... Je comprends pas. Parce que... Christy, il me semble que j'ai tout fait dans le bateau, là. Je comprends juste pas. Y a-t-il quelque chose qu'il faut que je tire? Y a-t-il... Tu sais, il me semble... Je vais dire que les énigmes sont pas faciles, ça. Parce que, tu sais, il me semble que ça aurait été. Comment je pourrais bien. Je vais finir par faire une phrase, là. Ça aurait été tellement, il me semble, la bonne idée de pouvoir, mettons, je sais pas, moi, tirer un cocktail Molotov sur les barils ou frapper les barils, mettons, avec l'arme que j'ai, puis tu sais, tu frayes un chemin, puis tigidou. Mais ça a l'air que non, c'est pas mal que ça marche. Fait que là, je suis comme un peu. Je pense pas que la carte, ça a un rapport, là. Fait que... Non, vraiment, là, il y a quelque chose qui m'échappe parce que... c'est d'habitude, je cherche pas autant dans un jeu, là. Voyons donc. Retourner encore en bas, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas fait, je sais pas. Vivi, tu dis que t'as triché et tout ça, mais la solution est-tu évidente, plus que je pense, ou ça n'a rien à voir? Parce qu'il me semble que j'ai fait tous les étages, j'ai fait toutes les portes. Honnêtement, je ne sais plus, là. Oui et non. C'est peut-être moins clair. Parce que là, je suis comme... Non, je veux pas que tu me le dises. Je veux le trouver par moi-même. Non. C'est-tu quelque chose de logique? Ou pas du tout, dans le fond? Parce que là... Les manivelles servent à rien ici. Y a rien là, y a rien qui... Traîne, il n'y avait pas. Ok, c'est quelque chose à voir. Bon. Ok.
Ah, cocktail Molotov, tu sais. Une hache? Attends, je t'ai pas venu ici, moi. Qu'est-ce que la hache vient faire, là? Oh, t'es-tu sérieuse, là? C'est ça que ça me... Attends, hey, c'est tout cassé, là? Ça a pas vraiment l'air très solide. Ah ben, tabarnane! C'était-tu ça? Dis-moi que c'était ça. T'es chaud? Ah ben là, merci. Oui. Bah dire comme toi, hein, c'est wow. C'est tabarnane. Ok, mais sérieux, il abuse là, pour vrai, là, je veux dire. Voyons. Ok. Ah, mais je suis pas mal fier de moi parce que j'ai trouvé tout seul comme un grand garçon. Puis ça a pris le temps que ça a pris. Je suis désolé ceux qui regardent la vidéo probablement qui sont déçus de mon rendement, mais je l'ai dit, moi, mais la description de ma chaîne, c'est ça. Je suis là pour le plaisir et la découverte. Le plaisir que je découvre en calvos. Qu'il y a une malle là. Prends-le pas mal. La jote. Bidon d'essence vide. Ben oui, évidemment, il est pas plein, hein, c'est sûr. Ça serait bien trop facile qu'il soit plein. Là, faut remplir le bidon. Il y a une valve là qu'il faut que je tourne parce que je serais pas capable de passer parce qu'il y a de la vapeur. Puis, tu sais, c'est un jeu que j'avais peur. J'avais peur. Hein, t'as pas dessus. Ah, mais je l'ai dit, moi, j'ai beaucoup de défauts dans la vie, mais je suis quelqu'un de patient puis de persévérant. Fait que. Une valve. On va mettre de l'essence. RG. Ah, ça c'est une boîte. D'après moi, il va y avoir le fusil pour le bateau. Établissez l'alimentation électrique. Ben oui. Mais là, tu m'as rien donné, là. OK. Trouver un fusible pour le disjoncteur. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je pensais qu'il était dans la petite boîte-là, mais il est pas là. Fait que c'est pas ça. OK. D'après moi, ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé le bateau. Calvaire, ça fait un vacarme de l'enfer. Le son, il est fort! Je m'entends même plus parler. Ok, là, c'est clair qu'il va y avoir des ennemis en haut qui m'attendent. Là. Je les ai tous réveillés, pauvres petits. C'est quoi cette musique-là? L'accordéon version 666? What? Ils sont combien? Là, je vais te sacrer le feu là, ça va bien.
Brûle, saloperie, brûle! Hey, t'es sérieux, là? T'es pas encore morte, toi? Voyons donc. C'est n'importe quoi, là. Hey, la musique est vraiment bizarre pour vrai, là. Ah! Y'en a plein! Au secours! Faut que je me sauve! Cours, Forest! Cours, bordel! Vite, au bateau! Les femmes et les enfants d'abord! Ah, puis laisse faire les femmes et les enfants! Laisse faire, je suis seul! Ok. Tout ça pour descendre. T'es sérieux? Jérémy, où êtes-vous? Hey, tout ça pour me rendre là pour vrai? Non, il voulait en maudit, hein? Un homme tout nu! Un autre homme tout nu! Merde, j'ai plus de balles! Allez, viens ici, toi! Ah oui! Ah oui, maison! Bon! Couché! Méchant garçon! Mon arme a l'air bonne encore. Juste aller explorer un peu, voir si j'ai pas oublié quelque chose d'important. Nope. Bon, on va mettre ça en marche. Avez-vous l'impression d'être mort? Non! Je vais pas plus loin. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis le catalyseur. Je vais mourir. Quelle histoire? Il y a 30 ans de cela, Frédéric avait besoin que je meure. Ce que vous dites n'a aucun sens, Jérémy. Reconcentrez-vous. J'ai trahi tout le monde. Je n'ai pas joué mon rôle. J'ai échappé à mon sort, à mon destin. À nouveau, reconcentrez-vous. Hé, je suis là. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Maintenant, tout va mal. Rien n'est à sa place. Je suis là. Calmez-vous, Monsieur Carnby. Que voulez-vous? Vous... Hein? Vous étiez pas en train de parler à Jérémy à l'instant? What? Je n'ai pas vu Jérémy de la journée. Allez-vous bien, détective? Non, pas du tout. À vrai dire, je pense que non, peut-être. Je dois partir chercher Jérémy. Bien. Dites-moi si vous le retrouvez. Wow, ok... Bon, fait que là, il me reste quoi, en fait, là, comme objectif? Trouver le dessin manquant de Gray, jeter un coup d'œil à la chambre vide. Ok, d'accord.
Mais là, ça fait quoi? 2h? 2h20 déjà. Hey, tu sais, quand t'es dans un jeu et tu veux pas le quitter, là, c'est parce que tu l'aimes. La scène de combat, il est vraiment à chier dans le jeu, pour vrai, on va se le dire. Là. Mais pour le reste, c'est vraiment tout bon. Les énigmes sont difficiles, mais c'est pas grave, elles sont faisables. C'est juste que ça prend beaucoup d'observation. OK. Enfin, moi, je m'arrête ici pour aujourd'hui. 2h20, même quasiment 2h25, c'est assez. Donc voilà, fait que c'était Jedi Zone pour Explorer Jeu, la 5e partie sur Alone in the Dark, version 2024. Le reste, je vais le faire demain matin, peut-être vers 10-11h, quelque chose comme. Je vais être en ligne demain. Ensuite de ça, j'aimerais ça pouvoir le finir, puis faire un autre jeu, parce que là, faut que j'avance. À un moment donné, là, pas trop le choix. Parce que j'ai d'autres jeux à présenter. J'avais le goût de faire Tintin. Tintin, je vais peut-être le faire dimanche. Donc, on verra, mais bon, pour l'instant, ça va être ça aujourd'hui. Quoi qu'il me reste un chapitre à faire, fait, je devrais être en mesure de le faire demain matin. Je comprends pas les gens qui disent qu'ils finissent en 5-6 heures ce jeu-là. Je dois être rendu à pas loin de 10 heures, mais c'est sûr que je cherche beaucoup, je fouille beaucoup, je fouille partout, mais en tout cas, bref, je l'apprécie grandement ce jeu-là. Pour 60$, moi, je trouve que ça vaut la peine, là, vraiment. Là. Donc voilà, fait que vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur ma chaîne Twitch, Explorageux, sur le site factorgeek.com, ainsi que sur notre chaîne YouTube Factor Geek. Commentaires, suggestions, courriel, factorgeek@commercial.com, médias sociaux, Twitter, Facebook de Factor Geek, et mon Twitter personnel aussi, Jedi du Nord. Et voilà. Et notre podcast, L'Assemblée Vlodique, que vous pouvez trouver partout en version audio et vidéo. Même, vous allez pouvoir, même, là, tu sais, la semaine prochaine, il y a une éclipse, ça, supposément, là, qui va rendre tout le monde aveugle, là, si on la regarde, là, bon. Le 8 avril. Mais, on a implanté quelque chose dans le podcast. Vous pouvez regarder le podcast en regardant l'éclipse. Ouais. Ça a l'air que ça fonctionne. Je ne l'ai pas essayé. Ça vaut risque et péril. Mais au moins, vous allez écouter quelque chose de bon en regardant une éclipse, en devenant peintre aveugle. Mais au moins, ça va avoir quelque chose de bon dans les oreilles. En tout cas, ça vous regarde si vous autres allez prendre la décision, vous êtes des adultes quand même. Là. Ça a l'air que c'est tellement dangereux de regarder l'éclipse avec ses yeux. Fait que moi, je vous conseille de regarder avec vos oreilles. Il n'y a aucun problème. Ça se peut pas devenir aveugle des oreilles. Là. Je connais pas personne qui s'est arrivé. Fait que, bref. Donc voilà. Fait que... comme d'habitude, les quatre choses les plus importantes dans la vie, l'amour, la paix, la santé et, évidemment, tout le monde le sait, les remusqués. Qui dit remusqué, dit remusqué, finalement. Ça a l'air plus d'un castor qu'un rat, mais bon, c'est un remusqué. Ben non, vous savez tout, la quatrième source, c'est les jeux vidéo, voyons, comme Alone in the Dark version 2024. Fait que demain, je vous donne rendez-vous à 10h, pile, le matin, pour continuer à Alone in the Dark et probablement le finir parce que là, je veux passer à autre chose. C'est pas que j'ai envie de le finir parce que je veux pas le finir parce que c'est un bon jeu, mais il faut que j'avance dans mes jeux. Fait que j'ai pas le choix. Fait que demain, c'est là que ça se passe pour le terminer. Donc voilà. Fait que moi, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir assisté à ces super moments incroyables de recherche et de persévérance de moi-même. Je suis même pas allé voir sur Internet. Je sais même pas si c'est sur Internet. J'imagine que oui, là, parce que ça fait quand même 2 semaines que je suis sorti, mais bon. Moi, je fais pas ça. J'aime mieux chercher par moi-même. J'ai appris quelque chose de même dans un jeu. En fait, il y a un jeu de Ghost Recon. Je pense que c'est Future Soldier. Que j'étais pas capable de faire le boss de la fin, en fait. Puis je réussissais pas, puis je réussissais pas, puis je réussissais pas. Puis à un moment donné, j'ai mis de côté 2 semaines de temps. J'ai dit, bon, on va laisser faire dodo. On va passer à d'autres choses. Je suis revenu, premier essai, je l'ai passé. Depuis ce moment-là, je me suis dit, quand on n'est pas capable de faire quelque chose dans un jeu, mets-le de côté, passe à d'autres choses, oublie-le, va à des occupations, joue à d'autres jeux, puis ça. Puis à un moment donné, ressort-le, puis retourne-y, puis à date, ça fonctionne pour moi, ça marche, tu sais. Le bout, je n'étais pas capable de faire, je le fais, je le trouve, en tout cas, bref, j'ai comme un éclair de génie, de talent, puis ça fonctionne. Bon, c'est peut-être pas le même pour tout le monde, mais pour moi, j'ai trouvé la solution, donc voilà. Fait que petit conseil, mettons, si vous rushez sur un bout dans un jeu, peut-être le mettre de côté, passer à d'autres choses, puis revenir par après, peut-être ça va marcher. Moi, ça fonctionne, en tout cas. Bref, sur cette belle leçon de psychologie 101, moi, je vous laisse, puis on se retrouve demain à 10h comme prévu. Donc voilà, fait que demain matin, 10h, retour sur Alone in the Dark, sans faute. Moi, je vous laisse. Allez, au revoir.
câlin à vos amoureux, amoureuses, bisous à vos enfants, etc. Donc voilà, à demain. Bye tout le monde!